Là on est dans la file d'attente pour aller tester Forza Horizon 2. On va voir un petit peu ce que cette nouvelle opus nous apporte. Et Alex nous dira plus particulièrement ses réactions à chaud. Voilà, on attend juste qu'il y ait un poste qui se libère. On est donc parti sur Forza Horizon 2. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, moi je suis pas un grand joueur de Forza. On va voir ce que ça donne. Alors. Dans le mauvais sens, je crois. J'ai appuyé sur X, hein. Je tiens à préciser que j'ai appuyé sur X. Hein. Donc, oui, je précise, on est bien évidemment sur Xbox One. Il y a une accélération de pute. Ah, attends, là, c'est le joystick qui me perturbe en fait. Donc c'est par où là, ils sont mignons mais... C'est pas cassé, gars. D'accord. C'est pas grave. Oh merde. On va conduire. Moi, les décors réflexibles. Bah sans déconner, merci. Penses-tu que j'ai perdu mon face-à-face? Merde. Je score de tennis. Ah, faut pas que j'aille trop vite. Ah, c'est chaud là, putain. Allez, on recommence. On tente de recommencer un petit duel. Allez. Bon putain, le demi-tour. Matez ça. Allez, voie d'insertion. C'est grave? Non, c'est pas grave. Merde! On voit pas où on va dans ce jeu, c'est ça qui est... Non, c'est grave? T'es sûr? Ah oui. Ah ouais, c'est grave. Je gère, quoi. À part que je suis pas foutu de rouler au milieu, mais... À part que j'ai pas foutu de rouler sur la route, mais ça... C'était un peu laborieux, mais... Les phares, évidemment. Il est à nuit temps. Oh putain, je suis premier. Je pilote comme une grosse merde à part ça. Bon, le pare-brise un petit peu. Donc maintenant, bah, j'en apprends le roguet. Je vais te prendre les touches. Ça pour accélérer, ça pour freiner, puis ça pour diriger. Ok. Je vais tendre le micro à Benjamin. Donc c'est lui qui parlera, qui nous donnera ses réactions en live. Ça vous va? Donne-nous tes réactions en live face à la caméra. Hein? Tu parles face à la caméra quand tu parles. Allez, continue. Attends, faut que je fasse quoi là? Continue. Continue. Et là, tu... Bah roule déjà. Y'a pas de flèche verte, hein? Bah, là où tu veux. On voit que ça gueule derrière. On dirait que tu vas le planter avec. Qui tient un micro. Ah, je vais en ville là. Puis après, je vais passer. Limité à 50, je te rappelle que t'as 237. Ah merde, j'ai raté. Je te défonçais. Ah, tu commences à avoir mal au bras, mais un peu. Hein. Ah, bah, défoncer lui là. Voilà. Regarde. Bon, du coup, tu. Agag, tu vas prendre le roguet si tu veux. Je veux. Tu vas prendre le roguet.
réponse est. Alors, Alex va prendre Jorge. Alors, attends, ce qu'on va faire. Alors, on va inverser, pardon. On va inverser ça. C'est parti. Donc là, c'est Alex qui joue, il y a toujours la même bagnole. La BS qui se déclenche. Ouais, l'avant de la voiture quand même. On dit quoi Alex? L'avant de la voiture quand elle est dégommée. Arrivé à 200 mètres, Alex. Ouais. Et voilà, bah on dirait Need for Speed. Quand t'es près d'une voiture, faut appuyer sur une touche en fait. Et après, ça fait une course. Ouais, j'avais pas vu ça en fait. Ouais, voilà. Voilà, donc on vient de tester Forza Horizon 2. Alex, qui a déjà joué un petit peu, va nous dire ses impressions à chaud. On t'écoute, Alex. Forza Horizon 2 ressemble un peu à Need for Speed, contrairement aux ceux que j'ai essayé, c'était Forza Motorsport 6 que j'avais essayé, que j'avais même. Bah c'est totalement différent vu que là c'est un monde libre et tout. Ouais, on dirait vraiment un Need for Speed. D'accord. Ok, hello Benjamin. Ouais, je suis pas très jeu de voiture donc je trouvais ça classique en fait. Ok, ça marche. Eh bien écoutez, tiens, je te laisse reprendre ceci. Eh bien voilà, donc pour le test de Forza Horizon 2, pardon. Maintenant on va se diriger vers d'autres stands pour essayer d'aller voir éventuellement d'autres jeux, même si la queue sera certainement un peu plus longue. Après ce petit test de Forza Horizon 2, on va maintenant se diriger vers le stand Evolve où il y a pas mal de monde. Regardez un peu cette queue. Voilà. Regardez-moi un peu cette queue. Donc on va la faire et on va essayer de tester Evolve et voir si on a le droit de filmer, ce qui m'étonnerait. Allez, on y va. Et bien voilà, on ressort du stand Evolve, donc malheureusement on n'a pas le droit de filmer, mais normalement c'était génial, donc on a découvert un peu le jeu, donc un 4v1, donc un gros monstre vs 4 joueurs,
Donc un petit peu à la Battlefield 3, donc une escouade de 4. Donc un médecin qui soigne, un trappeur qui fait masse dégâts en fait, c'est ça. Le trappeur, c'est quoi son rôle? C'est de mettre des pièges quoi, c'est un trappeur. D'accord. Donc le trappeur de mettre des pièges. Donc le médecin de soigner comme je l'ai dit, et aussi d'attaquer au sniper, donc un petit peu d'anticiper en tant qu'éclaireur. Ensuite donc Alex qui est derrière la caméra joue le monstre, donc le gros monstre à buter simplement et qui doit évoluer comme le nom du jeu l'indique. Il y avait quoi d'autre? Il y avait un support. Donc c'était quoi le rôle du support, je m'en souviens plus. Je pense qu'il devait donner des boosts des stéroïdes. Et je pense que il était assez bourrin en fait. Voilà, d'accord. Et donc le dernier rôle c'était quoi? Il y en avait un dernier. Assaut. Donc gros bourrin. Voilà, donc Assaut le gros bourrin qui fait beaucoup de dégâts, un petit peu comme le trappeur, sauf qu'il est plus direct. Voilà, donc on avait malheureusement pas le droit de filmer, on s'est fait reprendre à deux fois. Donc voilà, normalement vous aurez quelques images de la cinématique ou des bandes annonces qu'on aura réussi à voir. Voilà, maintenant vous me suivez, on va aller essayer d'aller voir d'autres stands et essayer d'avoir quelques renseignements sur les prochains jeux vidéo à venir, soit prochainement, soit l'année prochaine. Voilà les gens, on sort de la Paris Games Week, on est absolument lessivé, n'est-ce pas Alex? N'est-ce pas Benjamin? Ouais. Il est content. Il est content, vous allez comprendre pourquoi exactement à ce moment-là, si je peux. On va la mettre à peu près. Ah oui. Bon, c'est parfait. Bon bah voilà, on sort de la Paris Games Week, on a quand même fait pas mal de trucs, plus que l'année dernière en tout cas, donc il y a une valeur ajoutée à ce reportage, donc je pense qu'on publiera. Voilà, allez, merci de nous avoir suivis. Si c'est pas le cas, allez voir, si c'est pas déjà fait, allez voir la vidéo du tour du salon de la Paris Games Week. À tout à l'heure.